Et bonjour les gens, bienvenue sur du Pickle Magical 3. J'espère que vous allez bien tranquillement. On se retrouve du coup, justement sur Pickle. Je viens de le dire, mais c'est pas très grave. Pour la suite. Alors, la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu au niveau des quêtes, ça a dû changer. Et également, je voulais vous remercier quand même pour ce que vous m'avez donné au niveau de ma demande d'aide. Quand même financière, il faut dire ce qui est, mais c'est pas du tout comme celle que j'ai eue il y a un an. Là, c'est complètement santé, et du coup, c'est encore assez impressionnant de voir qu'il y a encore beaucoup de monde qui me soutiennent à ce point-là, et j'en suis éternellement reconnaissant envers vous. Voilà. Par la même occasion, ça va m'aider financièrement à me refaire une cheville, pas complètement, mais vu que les opérations coûtent extrêmement cher, bienvenue en France, et que c'est pas forcément pris en charge malgré que j'ai une bonne mutuelle professionnelle. Faut dire ce qui est. Et bien sûr, une fois que ma cheville est refaite, j'irai bosser dans le monde du travail, le vrai, pas celui de YouTube parce que je gagne pas énormément. Hein, clairement, le mois dernier, j'avais 50 euros par mois. Franchement, c'est 50$, donc 52,13$, je connais le chiffre exact. C'est très 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 peu pour un mois. Donc du coup, j'irai bosser. Même si je sais que la rééducation va être très longue, je pourrais peut-être avoir des aides au niveau de l'État. Mais ça, il faut voir en fonction du niveau handicap. Voilà. J'espère en tout cas que je retrouverai l'usage de ma cheville comme au bon vieux temps. Parce que c'est pas de tout repos. Sur ce, du coup, continuons notre quête maintenant que nous sommes dans Minecraft. Du coup, au niveau de Tinker, nous avons toujours les nécrotiques. Alors ça, les nécrotiques, j'irai les faire quand j'aurai la division de Sigil. Parce qu'il y a une méthode pour avoir des squelettes assez facilement. Donc ça va être bien. Botania, il faudrait faire du Terra Steel et des runes. Putain, c'est chiant. Il faudrait que j'attende pour les runes. En fait, pourquoi je veux attendre pour les runes? Parce qu'il y a, comme j'avais fait sur LTP saison 2, un bon système en fait avec Applied qui faisait que on commandait une rune et ça le faisait automatiquement. Et ça, je trouvais ça extrêmement classe avec un item filter en dessous qui permettait de extra U, qui permettait en fait de pomper cette rune, mais pas la Living Rock qui se trouvait dessus. Voilà. Donc ça, c'est magnifique. Du coup, bah ça, on le fera plus tard. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Tomcraft, bah ça a pas débloqué des choses. Tomic Addition, bah All Complex, c'est juste une scribing tools. Blood Magic, nous en étions. Alors, on était ici, là, j'ai continué à avoir quelques Blood Runes et des Spin Runes que j'ai installées là-haut. J'espère que vous entendez pas les corbeilles derrière. J'ai installé ici, du coup, on est au tier 2 actuellement. Ça peut contenir jusqu'à 10 000 LP, sachant qu'on est à 2 000 LP actuellement. Et en plus, on le voit ici dans Wayland, en fait. On voit 2 000 LP sur 10 000, tiers 2 en plus. Donc, inutile de spammer le chat, on le voit très bien. Du coup, alors, ce qu'on va faire, c'est que il nous faudrait des Reinforced Slate. Ok, et des alchimiques chez Mister Set. Ok, j'ai fait également la Blood Orb, la version 2. C'est une émeraude et vous mettez 5 000 LP de sang dedans pour obtenir celle-ci. Et du coup, je me suis fait la Dague of Sacrifice qui me permettra de one-shot les mobs et récupérer leurs essences. Voilà. Donc du coup, on est tranquille. La rune au sacrifice, j'ai regardé, vous obtenez 10% de plus de blood par kill. Donc du coup, c'est quand même pas négligeable d'avoir une rune au sacrifice quand même qui nous permet justement d'augmenter cette taille-là. Mais du coup, il nous faut des renforcés de slate. Et pour ceci, c'est des blank slate là-dedans. Donc renforcés de slate, j'en ai hop.
Il me faut, en fait, il m'en faut 4. Hein, c'est pas ça? Bah non, c'est des blood runes, je suis con, moi. C'est de la stone. C'est 4 de stone qu'on laisse longtemps. Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de MC, donc du coup, il faut laisser infuser les choses. Voilà. On attend que ça régène un petit peu, donc... Je vais mettre un petit chest sur le côté. En fait, les chests ici... Merde. Les chests ici, je disais... Faut que je reprenne une stone, du coup. Fait en sorte que ça n'altère pas, en fait, avec la... Tout simplement... l'altar. C'est tout simple. Hop. Donc, j'en ai deux... Je ne sais pas si ça va compter les 4 que j'aurais fait ou pas. Infusé de blanc. Ouais. Ah, j'ai plus assez de sang. Ouais, ça descend tellement vite surtout. Me faudrait des potions. Oups. Oups. J'ai fait une connerie. Oups, bonjour. Et j'ai eu un petit problème. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Non, pas du tout, mais j'ai juste oublié que... ça fait extrêmement mal. Ah, bah oui, j'ai mon truc de Botania. Putain, j'ai oublié complètement que j'avais ce truc-là. Hop, non, ça, ça, tac, tac, tac. Paf, paf, et hop, là. Voilà. Donc, du coup, il me faudrait ma mana. Et pour avoir ma mana, je fais ça. Voilà. Là, je peux me faire saigner beaucoup plus de sang. Ouais, bah, je suis pas sûr que ça va faire en sorte d'avoir ce qu'il faut ici. Pourquoi ma ring ne fonctionne plus? J'ai l'impression d'avoir cassé le jeu parce que ma ring ne fonctionne plus. Si c'est le cas, c'est un peu buggé. Moi, je comptais beaucoup sur cette protection pour être invulnérable à tout, mais d'être mort comme ça, j'espère que ça ne l'a pas foutu en l'air. Très personnellement. Ah. J'espère que ça l'a pas foutu en l'air du tout parce que sinon je suis dans la merde. 420 440. Ah oui, c'est pas beaucoup, 440 d'ailleurs. Ça m'en faisait plus avant. Ouah, ça me faisait 200 LP par 200 LP, là ça en fait que 20 par 20. What the fuck? Je crois qu'il y a un petit problème, je ne suis pas sûr. Je crois quand même qu'il y a un petit problème. Avant il me faisait beaucoup plus de LP. Peut-être parce que j'ai ça. Soul. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais revenir, je vais voir, je vais reboot un peu le serveur. Putain, il faut 2000 LP, mais à cette vitesse-là, on n'y sera jamais. 2000 LP, quoi. Et par machin, donc bon. J'en ai 1000 là, actuellement. Putain, je me suis fait saigner longtemps. Je reviens, je vais faire rebooter le serveur et voir un petit peu si c'est pas un problème. J'ai tellement de points. Doom Tinten, notre taint pur pur D3D. Ouais, je ne sais même plus ce que c'est ça. Du coup, bah, je reboot et je reviens vers vous. Bon, religion, du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça bug toujours. Salut le créateur de Tomcraft, Saboum, Azanor.
Je sais pas ce qui s'est passé avant, ça me faisait 200 LP par 200 LP. Ah bah là ça me refait les 200 LP. What the fuck? C'est buggy. Ah non, c'est que j'avais mon soul frame, ok. D'accord, là ça me fait du 200 LP par 200 LP. Donc c'est bien ça, c'est bien le putain d'enchant que j'ai eu qui faisait que ça a merdé complètement. D'accord, du coup, bah ce que je peux faire c'est que je refaire ça. Et du coup, me refaire un petit coup. Pas trop pour éviter de crever, mais... Ok, donc c'était bien l'enchant de merde qui me faisait chier à ce point-là. Ok, bon, bah, c'est bon à savoir déjà. C'est très bon à savoir, ça m'évite d'avoir des gros problèmes. Du coup, bah, il est en train de réparer. Moi, c'est bien parce que j'ai régène 2 constamment grâce à Botania. C'est grâce à ça que j'ai largement ce qu'il faut. Donc du coup, je suis tranquille. Là, j'ai failli me tuer encore une fois. Hop. Et puis, normalement, bah, j'aurai tout ce qu'il faut pour... ceci, donc je vais me laisser régénérer tranquillement mon petit bag, pouf, tac, voilà, comme ça on est tranquille. J'ai mes 4, je vais là, je vais dans les quêtes. Du coup, ça m'a débloqué oh, ça me débloque des choses. Ok, ah c'est magnifique ça. Du coup, ceci c'est fini. Tier 3 Blood Rune, Glowstone, Glass, et 16 Blood Rune en plus. Mais on va faire déjà l'alchimie, ça sera plus important pour l'instant. Alchimiste, non, alchimie, il est là. Alchimistrie. Non, chimistrie. Alchimique. Chimiste. Ok. Oh, c'est quoi ça? Blood magique. Ok. Calcinador. Je connais pas du tout. C'est magnifique. Obsidian Bowling Stand. Ok. Est-ce que je l'ai fait direct? Oui. Opti. Oui. Et l'apprentice. Hop, je me sème un petit coup. Deux obsidiennes, un bowling, et ça me fait ce qu'il me faut. Où est-ce que je vais le mettre, tiens? Oh, je vais le foutre ici, tiens, ça peut être pas mal. Du coup, au niveau de la quête, c'est bon? Alors, simple catalyste, on va le foutre là, ça ici. Je garde. Je mets là, l'obsidienne aux F. Donc, maintenant, ceci étant fait, il me demande de faire des blood potions. Oh, des potion flasques. Potion flask. Ok, alors, ça nous permet d'avoir aucun effet pour l'instant. Ok, potion. Un tiers 2, une glass bottle dans un tiers 2. Ok. Glass bottle. Avec 2000 LP, j'en ai pas beaucoup. Voilà, j'ai largement ce qu'il faut maintenant. Donc, c'est en train d'infuser tranquillement. Il faut 2000 LP, donc ça va plutôt aller vite. Et sur moi, j'ai rien du tout. Hop, j'ai ma potion flasque qui me fait aucun effet pour l'instant. Et du coup... ah bah au niveau de la quête c'est magnifique. Ok. Nos effets. Et là, il faut que ça marque nos effets aussi. Ok, j'ai dit nos effets partout. Donc les potions c'est fait. Ensuite, il nous faut des simples catalystes. Simple catalyst. C'est... oula, ça a l'air assez chiant. Alors déjà c'est magnifique, je peux pas voir le craft. Simple catalyst. Simple catalyst. Ah oui, non, d'accord, il me faut deux redstone, un sucre, glowstone et gun. Et des 200 LP. Ok. Glow x4, redstone x8,
Glogun sucre. Glogun sugar et redstone x8. Ok. Ensuite, nous mettons notre apprentice. Alors, à bien noter que il y a 5000 LP dedans. On reclique deux fois, on a 5008, là on en a 6000. Hop. On le met dedans. Tac, 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 tac. Tac. Voilà, c'est en train d'infuser tranquillement, vous voyez, le progrès est en train de se faire. Et pouf! Ça nous fait une alchimique catalyste. On peut le laisser tranquillement dedans. Ça va faire en sorte que, vous voyez, on peut même shift-click pour savoir un petit peu le nombre de LP qu'il y a actuellement dans le coco. Et là, bah, ça ne bouge pas parce que c'est à lui tout simplement. Hop, progresse, progresse, progresse. Voilà, j'ai mes 4 simples catalystes. On est content. Hop, ça nous en fait 4 et ça nous en redonne 4. Donc c'est magnifique. Ah bah en plus on en avait déjà là, donc c'est magnifique ça. Ensuite, nous demandons des potions création. Weak Bathing. Ok, simple, simple, clé. Il nous en demande une. Ok, donc il me faut juste de la clé. Pas trop en problème ça, voilà. Donc simple et simple. Voilà. C'est en train d'infuser. Ça fait du weak bathing agent. Voilà. J'en ai un. Il nous demande juste de faire des potion flask. Alors, potion flask. To create the basic potion flask, you need empty weak bathing ingredient. Ok. On nous demande de faire ça avec ça. Plus un sugar. Si j'ai bien compris la recette. Voilà. Oh, c'est magnifique. Oui! Plus 20% de speed. Voilà, et ça nous obtient ceci, on va prendre lequel? Piquer, piquer, coller, gramme, bourré, bourré, ratatam, amstram, gramme. Oui, des weak. Ah, c'est cool comme système de potions. Moi, j'aime bien. Wow! Oh, des arcades blocs. Ah, ça, c'est magnifique, tiens. Bon, il n'y a pas de MC, mais c'est magnifique quand même. Ensuite, on nous demande de faire des runes of self-sacrifice. Donc, particule give 10% de LP bonus par sacrifice. Ah, ok. Quand on va sacrifier avec ça, on obtient 10% de LP en plus. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas con. Et les runes obtiennent 10% par kill. Ok. Tier 3 altar. Space to 4 blocs. Alors, 1, 2. Ouais, il faudrait que je reprenne le schéma pour faire une tier 4. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là pour Blood Magic. On va aller sur Tomcraft. Le Tomcraft, c'est magnifique. On obtient du Tomium, de l'eau. Et il nous demande de faire ceci. Donc, Wow! ouais, une armure de bronze, c'est trop cool. Ah là là. C'est trop magnifique. Sacrifial, sacrif, sacrif. Et puis c'est bon. Knowledge, on va les bouffer, c'est magnifique. Le Tomium, c'est cool, ça a de l'AMC. Les émeraudes aussi. Les arcades blocs, non. Du coup, ceci, Blood Magic est fait. Maintenant, nous allons un petit peu vers Tomcraft. Alors, avant de faire Tomcraft, sachant que ça va être un petit peu long, je vais quand même le faire avec vous. Ah, j'ai pas pris de dégâts de chute. C'est moi ou le runique en fait fonctionne très bien et il n'est pas affiché? Qui est fort probable d'ailleurs en parlant de ça, mais je me demande toujours. D'ailleurs, en parlant de ça, maintenant je peux tout envoyer ou presque. Ah, je peux vraiment tout envoyer en fait. Hein. CMC, Pumpkins, ça non. Oui, parce que maintenant en fait je peux vraiment tout envoyer dans ma tablette, donc du coup. On va dire que c'est un avantage. Ça non, ça non, 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 sucre, champignon, enchante, cactus, insac, sulfure, nécrotique. Ah, j'en ai deux. Ok.
Sky, non, sèche, non, 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 oui. Oui. Tout ce qu'il y a de l'EMC, de toute façon, je le balance alors. Donc, du coup, oui. Là, là, là. Non, non, non. Tac. Ah, des rubers. Tac, tac, tac. Saddle, bateau, fire, bois, 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 bois. Bois, bois. Bois, bois, bois. Oui, je suis en train de faire un mélange en même temps. Je suis en train de faire un tri aussi. Je sais que les bouquins enchantés ne reviennent pas complètement, mais bon. Là-dedans, c'est tout ce qui est Tomcraft. Ok, c'est bon à savoir parce que je savais plus où est-ce qu'il était. Tomium, hop, hop. Il est pas mal pété, lui. Ça, je vire. Ah non, ça, il faut que je le garde. J'ai pas mal de shards, des shards, des vis, des focus, des bouquins. En fait, il faut que je garde un petit peu tout là-dedans. Sauf ça et ça, parce que je peux le retirer et le dupliquer. Mais sinon, j'ai à peu près tout là-dedans, donc c'est bon. Hop, 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 hop. Et il a pris des nouveaux gros trucs. Et là-dedans, rien du tout. Là-dedans, il y a un de ces bordels. Je ferai ça de toute façon en off. Du coup, maintenant que nous en sommes là, lui, il a dû bien tourner. Vas-y. Je te vide un petit peu de tout ça. Faudrait que je me fasse une armure plus haute, mais ça viendra avec le temps. Oh. Oh, j'ai des nouvelles recherches. Miam miam, des nouvelles recherches. Du coup, ce qu'il me faut, il me faut ça. Il me faut ma baguette. What? Elle a descendu un aspect. Me faut ceci, me faut cela, me faut pas ça. Alors, pire machin. Est-ce qu'il me faut quelque chose d'autre qui se trouve dans ce coffre? Dans ce coffre. Je sais qu'il me faut ceci, ça, ça, ça. Ah, j'avais déjà une golden? Ouais. Putain, je m'en rappelle même plus de ce que j'ai, quoi. C'est quand même compliqué. Tiens, je vais prendre du Greatwood. Alors, je reviens vers vous, je vais juste setup un petit peu tout le bazar. Bon, re les gens, donc, qui se fut passé plus de... Ouais, on va dire une demi-heure. Facile, parce que j'ai dû tout simplement faire en sorte que tout soit bien correctement mis et j'ai dû aller chercher quelques minerais que je n'avais absolument pas en stock. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas ceci en stock. C'était tout simplement du lapis. Donc j'ai dû aller dans les mines, miner un petit peu d'endroit parce qu'il n'y avait rien dans les mines pour accéder justement ce que je voulais qui était bah, justement ce fameux lapis. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que ici, je me suis fait un petit endroit où que je vais faire toutes mes recherches. Donc, j'ai mis des, j'ai mis justement mon crucible ici. J'ai mis un système de d'eau automatique derrière avec une liquid node World Interaction Grade qui me permet d'obtenir de l'eau constamment ici. Un piston, une glace, un levier pour éviter que le flux ne s'épandent et que je puisse remplacer le bloc. Des cristaux et des bookshelves tout autour, pourquoi? Pour recharger ceci en aspect constamment. Parce que ça a besoin justement qu'elle se recharge, donc c'est assez long et chiant. Donc du coup, j'ai besoin de recharger. Ma déconstruction table qui nous permet tout simplement d'obtenir des aspects à 100% aléatoires sur les aspects primaires. Mon arcade, ici d'ailleurs, que je pourrais la mettre là, pour en fait tout ce qui est de baguette. Hop. Baguette, baguette. D'ailleurs, celle-là, je pourrais la virer. Oui. Hop, il y a du flux. Hop, on le remplace. YOLO. Hop, ça marche très bien. Donc voilà un petit peu actuellement pourquoi j'ai fait ceci. Je vais prendre un coffre pour mettre... tous mes aspects de Tomcraft là-dedans. J'aurai besoin pas forcément de ça, mais de mon coffre qui se trouve là-dedans.
Tac tac tac, c'est pas ça, c'est celui-ci. Alors, tac, mais il faut que je vire lui. Et... Ah, il est pas parti, ah non. Et lui. Ne jamais le laisser dans votre main. Pourquoi? Parce que ça vous bouffe énormément de warp dans votre tronche à chaque fois que vous l'avez sur vous. Les boucs, d'ailleurs, en parlant des boucs, je peux faire en sorte qu'ils soient bouffés. Mon petit livre là, bah, je l'ai déjà appris, c'est magnifique. Tac tac tac, spawn les void seeds. D'ailleurs ça je m'en fous. Et normalement c'est bon. Du coup, hop, ce qu'on fait, le quartz d'apply, on s'en fout. On va mettre nos shards. Tac, on va tout mettre dans le coffre. Pouf. Je vais juste reprendre ma pierre philosophale. Et c'est tout. Oh, j'avais rien d'autre. Ah non, j'avais rien d'autre. Oh bah c'est magnifique. Du coup, bah, j'ai tout mis dedans. Ouais, il en reste encore des petites choses là-bas, mais ce n'est pas très important. Nous, dans notre quête, on va continuer l'alchimie chaud... L'alchimical furnace. L'alchimical furnace, c'est tout simplement... Ouais, j'ai pas assez pour ici. Des arcade stone, un four, un crucible pour faire un alchimical furnace. Donc, j'ai déjà ça. Il me faut un cauldron. Ouais, évidemment, j'ai pas le craft directement dedans. Hop, et il me faut, je ne sais plus quoi d'autre. Un four. Hop. Cauldron, pourquoi je fais ça? Tout simplement pour en avoir en stock. Furnace, hop, j'en ai en stock. Tac et tac. Il me faut ma baguette. Il me faut quelques fours. Voilà. J'ai quelques fours d'avance. Tac. 1, 2... Moi j'en ai utilisé que deux, tiens. Oh, j'ai crash. Ah non. Je pensais avoir crash. Mon four, mes crucibles là-haut, mes réserves, tac tac. Et alchimical furnace. Voilà, ceci t'en fait. Maintenant, il me manque quelque chose, le tomo. Voilà. C'est pour tout simplement scanner en fait les aspects que je n'ai pas en stock. Papier, j'ai... Tac, tac, tac. Ah, le cauldron, je l'ai pas. Voilà, j'ai déjà tout sur moi. C'est magnifique. Maintenant, ceci étant fait, une fois que nous avons fait notre petit cauldron, il nous demande des arcades d'alambics. Les arcades d'alambics, c'est tout simplement de l'iron, des buckets... Et bucket et du gold et du silver wood, tac tac, crucible machin, alchimie je l'ai là, ça nous demande de faire des vis. Alors si je m'en souviens bien, au niveau des vis je m'en souviens plus, c'est pour ça que je regarde. Ouais, c'est ça, c'est du gold et du silver au milieu. Voilà, ah, j'ai pas assez suffisamment de vis là-dedans. Est-ce que dans les autres baguettes, ouais, j'ai encore de ce qu'il faut là-dedans. Tiens, hop, vas-y, récolte ma cocotte, pouf. Ensuite, tout simplement, vous faites ceci, cela... Et vous entourez le tout. Voilà. Il nous manque évidemment du water. Donc hop. 1, 2, 3. 3, je ne peux pas plus. Sinon c'est pas drôle. J'en ai 3. Est-ce qu'il m'en fallait 3 ou un seul? Oh, même 2, ça suffisait. Oh bah c'est magnifique. Du coup, hop, je peux remballer tout ça.
1, 2, 3, 4, 5. Tac, la gold, je la fous là parce qu'elle a de plus grands aspects. Ça nous donne... C'est magnifique. Un quatrième. Des knowledge qu'on gobe. Un petit sac basique qui est de la merde. Wow. Ah, maintenant, mana. De la mana bottle, elle peut être bien comme elle peut être mauvaise cette mana. Faut faire attention avec. Hop, je retire un petit peu tout en fait, qui n'a pas besoin d'être ici. Je sens que ça va être un épisode long en fait. Je n'ai pas le temps sous les yeux, mais j'ai l'impression qu'il va être très long cet épisode. Ensuite, nous avons ceci. Sur les quêtes, du coup, il nous demande de faire des essentia jars et des essentia tubes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là déjà dans le premier épisode. N'hésitez pas à liker et surtout, éclatez-vous. Bisous. Ah, avec la neige, il faudrait que je l'enlève. Et on continuera Tomographe pour avancer un petit peu dans les quêtes qui nous permettra de débloquer d'autres choses éventuellement par la suite. A plus.